Alors, bonjour messieurs. Bonjour. J'espère que tout le monde est là. On est là. Est-ce que la classe est complète? Je vois 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça va, c'est complet. Bon, là, je pense, j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez assez d'énergie pour commencer le cours d'aujourd'hui. Je viens de télécharger notre plan de cours. Et comme vous pouvez le constater, nous avons une journée un peu chargée avec des épreuves. Mais comme d'habitude, nous allons commencer la journée avec la pratique orale pendant la première heure. Voilà. Et puis la deuxième heure sera consacrée à l'écriture, à l'écriture de votre épreuve. Hein, l'écriture de votre épreuve qui va couvrir. Combien de leçons, combien d'unités? 3. Ça couvre 10, 11 et l'unité 10, 11 et 12. Voilà. Dans la deuxième heure, qui commence à 10 heures, n'est-ce pas, jusqu'à 10h50, c'est l'épreuve écrite. Troisième heure, qui commence à 11h et se termine à 11h50, c'est l'épreuve écrite. Et puis on va prendre la pause de déjeuner. Et on revient à 13h comme d'habitude. N'est-ce pas? On revient à 13h. Et qu'est-ce qu'on va faire à 13h? Attendez, attendez. À 13h, c'est l'épreuve orale. Vous voyez? Donc, nous avons la première partie de la journée sera consacrée à l'écriture de l'épreuve écrite. Et puis la deuxième partie sera réservée à l'écriture au passage de l'épreuve orale, je voulais dire. D'accord? Donc quatrième heure, épreuve orale. Cinquième heure, la même chose, épreuve orale, avec des questions que j'ai déjà téléchargées ici. N'est-ce pas? Et puis sixième heure, épreuve orale. Bon voilà, donc c'est ça la journée d'aujourd'hui. Hein. C'est là ça le plan de cours. Est-ce que vous avez des questions? On va parler des devoirs vers la fin de la journée, donc ce n'est pas la peine d'en parler maintenant. D'accord, on réserve ça vers la fin de la journée et puis bon voilà, on va en parler. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de. Oui? Oui, allez-y. The flow test is your no. The flow test is the written test. That's the written test, yeah. So the first 2 hours is written test, and the second and third hours is written test, and then after our lunch break, we're gonna have our 4, 5, 6 is reserved for your orals. D'accord? Ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Monsieur Tidier, d'avoir posé cette question. C'est pour clarifier les choses. Je pense que c'est normal si vous n'êtes pas très sûr, il faut toujours poser des questions. D'autres questions? Ça va, Monsieur Logan? Très bien. Alors, on commence donc. Est-ce que vous avez des questions? Des questions sur la grammaire ou sur le vocabulaire des trois unités qu'on a déjà faites là? Non? Bon, là, j'ai préparé, comme d'habitude, j'ai préparé des questions difficiles pour vous pour cette première heure hein, qui sera consacrée à la pratique orale. Donc, je vais commencer. Si vous êtes prêts, moi, je suis prêt. Je commence avec Monsieur Dylan. Monsieur Dylan, je sais que vous aimez beaucoup vous aimez beaucoup parler de répondre aux questions controversées. Donc, voici votre question, Monsieur Dylan. Vous avez 5 minutes pour y répondre. Votre question, c'est celle-ci. Que pensez-vous des fausses informations ici aux États-Unis et sur le plan international? Existe-t-elle? Est-ce que ça existe même? Est-ce que les fausses informations existent dans les actualités? Bon, voilà, ça c'est votre question, monsieur Dylan. On vous écoute. Les fausses informations, les fausses nouvelles. Si vous écoutez Fox News,
Vous voyez qu'il y a, bon voilà, il y a des gens, voilà, il y a CNN, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de chaînes d'information. Si vous les écoutez, si vous les regardez, il y a de fortes chances que vous tombiez sur des questions, des informations qui sont douteuses. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, d'accord, ok. Moi, je savais pas. Ok. Ah bon, vous me faites peur là. Voilà, c'est moi, je suis d'accord avec vous. Si vous regardez le Corona Tracker sur le plan domestique et international, vous constaterez que le taux s'en remonte tous les jours. On en a parlé hier dans des États où on ne respecte pas les règles de, n'est-ce pas, les consignes qui nous obligent à porter des masques et de garder la distance, comme la Floride, la Californie, etc., etc. Bon, là, le taux d'infection s'en remonte tous les jours. Hein. Donc, bon, voilà. Ok, donc, d'après vous, Monsieur Dill, vous pensez que les nouvelles qui circulent sur l'Internet, par exemple, concernant la disparition du COVID-19, sont fausses. C'est ça? Vous pensez que ce sont des fausses informations? Oui, ça peut être. Cent pour cent, hein. Je vois ça, oui. Moi, je vois ça, oui. Alors, bon, là, c'est quelque chose. Hein, donc, c'est dangereux encore. Des fausses informations au sujet du coronavirus. Bon, là, pour moi, ça me donne beaucoup de peur. Bon, voilà. Merci, monsieur Dylan, d'avoir exprimé votre opinion sur la circulation de fausses informations au sujet du COVID-19. En dehors de cela, en dehors du COVID-19, est-ce qu'il y a d'autres sujets, selon vous, où on risque de trouver de fausses informations? D'autres sujets? C'est ça, ils sont très émotionnels. Moi, je suis d'accord, oui. Merci, merci.
Bon, voilà, vous assumez très bien, merci beaucoup. Et bon, là, c'est un sujet, comme j'ai l'habitude de vous dire.